Je m'appelle Émilie Flacher, j'ai participé à la création de la compagnie Arnica en 1998 avec quelques autres personnes et nous sommes installés à Bourg-en-Bresse. Nous créons des spectacles de théâtre de marionnettes, ça veut dire que nous fabriquons d'abord les objets, les marionnettes, et puis nous concevons, nous écrivons les spectacles que nous tournons un petit peu sur tout le territoire national. C'est une première partie de notre activité. Et la deuxième partie, c'est qu'on mène plusieurs actions en direction des publics. On ouvre des espaces de création pour faire partager cette façon de faire des spectacles. En fait, on a créé cette compagnie quand on avait 20 ans. Donc on a entrepris cette activité de façon naïve et enthousiaste, on va dire. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase de notre développement puisqu'on vient d'intégrer un lieu de fabrication, on vient de créer cet atelier de fabrication de marionnettes au sein de l'ESPE à Bourg-en-Bresse. Et pour nous, c'est vraiment une opportunité pour développer davantage notre travail, pour fabriquer des objets marionnettes qui seraient plus volumineux, plus grands, plus ambitieux en fait. Donc on est entré depuis très peu de temps dans une nouvelle phase de développement de la compagnie. Donc dans cette phase de financement, Centra Initiative a été un partenaire important pour nous puisqu'il nous a aidés par deux fois, en 2013 et en 2016, en nous faisant des prêts, des avances, en fait des avances de trésorerie en quelque sorte. On invente des stages, on invente des moments de rencontre, on invente des ateliers ouverts sur la création. Donc vous pouvez nous contacter, venir nous rencontrer, nous proposer des nouveaux projets. On est totalement ouvert à toute nouvelle rencontre.